These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Robert is determined to find Mireille. He rents a car and gets directions to Provence. But he turns to follow a sports car driven by a young woman who might be Mireille. By the time he realizes his mistake, he is 300 kilometers off course, lost in the wine country of Burgundy. Le lendemain matin, Robert n'a pas l'air en forme. On dirait qu'il a mal dormi cette nuit. Pourquoi? Je sais pas. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Oui. Ah. Enfin, pas trop. Dites-moi, Provins, vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous pouvez me dire où c'est? Eh bien, c'est vers l'est, enfin le sud. Oui, c'est ça, c'est le sud-est de Paris. Ce n'est pas très loin. C'est du côté de Chartres? Ah non, Chartres, c'est vers le sud-ouest. Provins, c'est au-dessus de Fontainebleau. Vous connaissez. Merci. Vous savez où je pourrais louer une voiture? Ah oui. Avis, Hertz, Europcar, Matéi. Pourquoi vous voulez louer une voiture? Oui. Allez au garage Shell, en bas du boulevard Raspail. Si vous voulez, c'est un ami. Dites-lui que vous venez de ma part. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de la part du propriétaire du Home Latin. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Une grosse voiture, une petite voiture, changement de vitesse automatique ou manuel? Tenez, j'ai là une Renault 11 toute neuve, avec 5 vitesses synchronisées au plancher. J'ai aussi une CX, avec suspension hydraulique, c'est très confortable. Oh, ça m'est égal. Donnez-moi la moins chère. C'est R5 là-bas, par exemple. Il paraît que les R5, ce sont les moins chers, c'est vrai? Je regrette, mais elle n'est pas allouée, je ne peux pas vous la donner. Mais si vous voulez, je peux vous donner une Peugeot 205. C'est ce que vous avez de moins cher? Oui. Bon, c'est combien pour la journée? 450 francs. D'accord, je la prends. Si vous voulez bien me donner votre permis de conduire. Ah, un permis américain. Quelques minutes plus tard, Robert est au volant de la Peugeot. Pour aller à Fontainebleau, c'est par là? Oui, remontez le boulevard Raspail, là devant vous. Vous connaissez bien Paris? Non, pas trop. Tenez, je vais vous montrer. Vous êtes ici, vous remontez le boulevard Raspail jusqu'à Denfert Rochereau. Vous verrez, c'est une place avec un lion. Vous obliquez à droite pour prendre l'avenue du Général Leclerc. Vous la suivez jusqu'à la porte d'Orléans. Et là, vous prenez le boulevard périphérique sur la gauche. Vous n'aurez qu'à suivre les indications pour l'autoroute A6, direction Lyon. Il y a des panneaux partout. Il n'y a pas moyen de se tromper. Vous ne pouvez pas vous perdre. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir, bonne route. Pendant ce temps-là, Mireille téléphone à son oncle Guillaume pour lui emprunter une voiture. Le tonton? C'est moi, Mireille. Dis-moi, je dois aller à Provins voir mon amie Colette. Tu sais Colette Besson. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture? Mais oui, ma petite Mireille, bien sûr. Prends celle que tu voudras, ça m'est égal. La CX? Entendu. Prends-la au garage quand tu voudras. Je vais leur téléphoner pour les prévenir. Je te remercie, au revoir. Pendant ce temps-là, Robert remonte le boulevard Raspail. Il arrive à la place d'Enfer Rochereau. La place avec le lion, obliquer à droite, prendre l'avenue du Général Leclerc, la suivre, la
suivre jusqu'à la porte d'Orléans. Ça doit être ici. Maintenant, prendre le périphérique sur la gauche, l'autoroute A6 en direction de Lyon. Il y a des panneaux partout. Il n'y a pas moyen de se tromper. Trois heures plus tard, Robert est complètement perdu à 300 km de Paris, en pleine Bourgogne. Il demande son chemin. Excusez-moi, monsieur, la route de Paris, c'est bien par là? Ah, vous vous trompez, jeune homme. La route de Paris, c'est à droite, là-bas. Là, par là, c'est Mâcon. Là, vous êtes perdu. Voilà ce qui s'est passé. À Fontainebleau, il a voulu sortir de l'autoroute pour remonter vers Provins. Juste au moment où il sortait de l'échangeur, il a vu une Alpine avec une blonde dedans qui s'engageait sur l'autoroute en direction de Lyon. Robert a fait aussitôt demi-tour et s'est lancé à sa poursuite. Robert fonce, le pied au plancher, mais l'Alpine refuse de se laisser dépasser. Juste avant Beaune, l'Alpine s'arrête pour prendre de l'essence. Le plein de super, s'il vous plaît. La blonde descend de voiture et se dirige vers les toilettes. Ce n'est pas Mireille. Écœuré, Robert sort de l'autoroute et va se perdre dans les vignobles bourguignons. Ce Corton. Nuit Saint-Georges. Vaulx Romanée. Fougeau. Chambol-Musigny. Gevrey-Chambertin. Fixe. La dernière fois, Robert voulait aller dîner avec Mireille sur un bateau-mouche. Mais elle a dit qu'elle n'était pas libre, qu'elle allait chez une amie, boulevard Saint-Germain. Robert a pris un taxi et il est allé à Saint-Germain pour essayer de trouver Mireille. Il ne l'a pas trouvée. Il a mal dormi. Il n'est pas en forme. Regardez Jean-Claude ici, il n'est pas en forme. Ici, oui, il est en forme, il est en pleine forme. En forme, pas en forme, pas en forme, en forme, pas en forme, en forme, en forme, pas en forme. Eux, ils ont l'air en forme, mais eux, ils n'ont pas l'air en forme. Bonjour, Madame Royer. Oh, toi, tu n'as pas l'air bien en forme. Robert demande où est Provins. C'est le sud-est de Paris. Le nord. L'ouest, le sud, l'est, le sud-est. C'est du côté de Chartres? Ah non, Chartres, c'est vers le sud-ouest. Provins, c'est du côté de Fontainebleau. Vous connaissez Fontainebleau? Il y a une belle forêt et un beau château. Provins n'est pas loin. Tenez, nous allons demander à quelqu'un où est Provins. C'est loin de Paris? Je dirais une centaine de kilomètres. À l'est de Paris? C'est à 90 km de Paris, vers l'est, sur la route de Troyes.
C'est du côté de Chartres? Non, pas vraiment, non. Ah non, pas du tout, c'est dans la direction opposée. D'après le patron de l'hôtel, c'est un peu au-dessus de Fontainebleau. C'est au-dessus de Fontainebleau. Au-dessus, au-dessous. Au-dessus, au-dessous. Regardez. Mireille habite à cet étage. Ça, c'est l'étage au-dessus. Et ça, c'est l'étage au-dessous. Robert veut louer une voiture. Pour aller à Provins, évidemment. Le patron de l'hôtel lui recommande un garage sur le boulevard Raspail, parce que le patron du garage est un ami. Allez au garage Shell. C'est en bas du boulevard Raspail. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. En haut. En bas. Il est où, Raymond ? Il est en haut. En bas, en haut. En haut, en bas. Tout en haut de la chaîne des Pyrénées, au pied du massif du Vignemal, se trouve le lac de Gaube. Allez au garage Shell. C'est en bas du boulevard Raspail. Vous pouvez y aller de ma part. C'est ce que Robert fait. Il dit qu'il vient de la part du propriétaire de l'hôtel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de la part du propriétaire du Home Latin. De la part de. Observez. Allô? Oui, vous êtes bien chez Monsieur Bello? Oui, je vais voir s'il est là. C'est de la part de qui? Monsieur Charpentier, très bien. Ne quittez pas. Papa, c'est pour toi! Monsieur Charpentier à l'appareil! Robert vient de la part du propriétaire de son hôtel. Le propriétaire, c'est le patron. On peut être propriétaire d'un hôtel, on peut être propriétaire d'une maison et d'un jardin. On peut être propriétaire d'une voiture. Observez cette scène. Vous allez voir un propriétaire de voiture inquiet. C'est à vous la voiture 11027 SK94. 11027 SK94. Connaissez le propriétaire ? Robert peut choisir entre une grosse voiture ou une petite voiture. Une grosse voiture, une petite voiture. Et une toute petite voiture. Une grosse voiture, une petite voiture. Robert peut choisir entre un changement de vitesse automatique ou manuel, à main. Ça, c'est un changement de vitesse manuel, au plancher. Le garagiste lui recommande une CX, une voiture Citroën qui a une suspension hydraulique. C'est très confortable. Confortable. Regardez, le plancher, ce n'est pas très confortable, c'est dur. Un canapé, c'est plus confortable. Un banc, c'est moins confortable qu'un canapé. Une chaise en fer, ce n'est pas très confortable. Mais deux chaises, c'est plus confortable. Et une chaise longue, c'est encore plus confortable. Mais le confort, ce n'est pas ce qui intéresse Robert. Le confort, ça lui est égal. Ça lui est égal. Robert veut la voiture la moins chère. Une 2 chevaux, par exemple, ou une R5. Ce sont les voitures les moins chères. Le garagiste a bien une R5, mais elle n'est pas allouée. Je regrette, elle n'est pas allouée. Écoutez ce que dit Marie-Laure, qui ne veut pas vendre son dernier chocolat. Donne-moi un chocolat. Il ne m'en reste plus qu'un. Je te l'achète. Combien ? 50 centimes. Je regrette. Ce chocolat n'est pas à vendre. Je le garde. Le garagiste propose une Peugeot 205. C'est plus cher qu'une 2 chevaux ou une R5, mais c'est ce qu'il a de moins cher. C'est ce que vous avez de moins cher ? Oui. La Citroën, c'est ce qu'il a de plus confortable. L'Alpine, c'est ce qu'il a de plus rapide. La R5, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est combien pour la journée ? 450 francs. Bon, je la prends. Très bien. Si vous voulez bien me donner votre permis de conduire. Ah, un permis américain.
Ça, c'est un permis de conduire français. Écoutez bien cette conversation entre le garagiste et Robert. Ensuite, vous répondrez au garagiste comme si vous étiez Robert. Je regrette, mais elle n'est pas allouée. Je ne peux pas vous la donner. Mais si vous voulez, je peux vous donner une Peugeot 205. C'est ce que vous avez de moins cher. Oui. Bon, c'est d'accord. C'est combien pour la journée? 450 francs. D'accord, je la prends. Maintenant, répondez comme si vous étiez Robert. Je regrette, mais elle n'est pas allouée. Je ne peux pas vous la donner. Mais si vous voulez, je peux vous donner une Peugeot 205. C'est ce que vous avez de moins cher. C'est ce que vous avez de moins cher. C'est ce que vous avez de moins cher. Oui. Bon, c'est d'accord. C'est combien pour la journée? Bon, c'est d'accord. C'est combien pour la journée? Bon, c'est d'accord. C'est combien pour la journée? 450 francs. D'accord, je la prends. D'accord, je la prends. D'accord, je la prends. Bon, alors finalement, Robert prend la 205. C'est une petite voiture Peugeot. En France, il y a beaucoup de petites voitures. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? J'ai une Peugeot 304, une voiture française. C'est une grosse voiture? Non, petite voiture. C'est une voiture à changement de vitesse automatique? Non, changement de vitesse à main. J'ai une 104 qui a 12 ans d'âge, comme un bon whisky. C'est une grosse voiture? C'est une petite voiture qui me rend grand service dans Paris, qui marche très bien. Revenons à Robert. Il est donc maintenant au volant de la 205. Le volant. Une jeune femme au volant d'un autobus. Robert demande son chemin au garagiste. Il demande comment il faut faire pour aller à Fontainebleau. Fontainebleau, oui, parce qu'il sait que Provins est à côté de Fontainebleau. Pour aller à Fontainebleau, c'est par là? Bon, pour comprendre les explications du garagiste, il faut réviser quelques termes. D'abord, un boulevard. Ça, c'est le boulevard Raspail. Le boulevard Saint-Michel. Le boulevard Saint-Germain. Il y a aussi un boulevard périphérique. C'est un boulevard qui fait le tour de Paris. Et puis, il y a les avenues qui ressemblent au boulevard. Ça, par exemple, c'est l'avenue du général Leclerc. Les Champs-Élysées aussi, c'est une avenue. Une très grande avenue, très large. Voilà encore une avenue. Et puis, il y a les rues. Une rue. Une petite rue. Une vieille rue. Et puis, il y a les places. La place Saint-Michel, la place de la Sorbonne, la place de la Concorde, la place Vendôme, la place de la Bastille, la place de l'Étoile, la place Saint-Sulpice, une place en province, une autre place en province, une autre place. Et en dehors des villes, il y a les routes et les autoroutes. Pour prendre une autoroute ou pour sortir d'une autoroute, il y a des échangeurs. Un échangeur. Voilà un échangeur. Une sortie d'autoroute. Pour aller à Fontainebleau, Robert doit prendre l'autoroute A6. Pour arriver à l'autoroute A6, il doit remonter le boulevard Raspail. Voilà des voitures qui remontent l'avenue des Champs-Élysées. Il faut suivre le boulevard Raspail jusqu'à la place d'Enfer Rochereau. Là, il faut obliquer à droite, tourner un peu à droite. Voilà une voiture qui oblique à droite. À la porte d'Orléans, il faut prendre le périphérique vers la gauche, c'est-à-dire vers l'est. Vers l'autoroute A6 qui va à Lyon. Heureusement, il y a des panneaux partout. On ne peut pas se perdre. Il est impossible de se perdre. Il n'y a pas moyen de se perdre. Il y a des panneaux partout, il n'y a pas moyen de se tromper. Vous ne pouvez pas vous perdre. C'est impossible, il n'y a pas moyen. Observez cette scène où Mireille n'arrive pas à ouvrir un pot de confiture. Je regrette, il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Il doit bien y avoir un moyen. Je te dis qu'il n'y a pas moyen. J'ai tout essayé. Tu vois qu'il y avait un moyen.
Quand on veut, il y a toujours moyen. Bien sûr, quand on veut, il y a toujours moyen. Robert trouve toujours moyen de se perdre. Regardez-le, il est complètement perdu en pleine Bourgogne. Voilà ce qui s'est passé. Il sortait de l'autoroute à Fontainebleau quand il a vu une Alpine rouge avec une jeune fille blonde dedans. Il a fait demi-tour. Un tour, un demi-tour. La voiture fait demi-tour. Elles font demi-tour. Robert a fait demi-tour et il s'est lancé à la poursuite de l'Alpine. Il suit l'Alpine. C'est une poursuite. Il fonce. Il va aussi vite qu'il peut. Il se dépêche. Il fonce. Il fonce. Allez, fonce, fonce! Robert fonce le pied au plancher. Il appuie sur l'accélérateur à fond, au maximum. Robert essaie de dépasser l'Alpine. Regardez, nous n'allons pas vite. Toutes les voitures nous dépassent. Regardez le taxi. Il va dépasser la petite voiture. Près de Beaune, en Bourgogne, l'Alpine s'arrête dans une station-service pour prendre de l'essence. Le plein de super, s'il vous plaît. Vous pouvez demander 10 litres, 20 litres ou, en général, le plein. Le plein, s'il vous plaît. Oui. Le plein, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Dans les stations d'essence, il y a deux sortes d'essence. L'essence ordinaire et le super. Le super est plus cher que l'essence ordinaire. Quand Robert voit que la jeune fille blonde n'est pas Mireille, il est écœuré. Il est dégoûté. Et il va se perdre dans les vignobles de Bourgogne. À Loxcorton, Nuit-Saint-Georges, etc. Pendant ce temps-là, Mireille emprunte une voiture à tonton Guillaume. Est-ce que tu pourrais me prêter une voiture ? Mireille emprunte la voiture. Et son oncle prête sa voiture. Observez. Ben dis donc, tu es riche. Tu peux me prêter 50 francs ? Tu me les rendras ? 10, 20, 30, 40 et 50. Merci. Tiens. Les 50 francs que je t'ai empruntés hier. Merci. Dans cette scène, Mireille emprunte 50 francs et Marie-Laure prête 50 francs. Mireille emprunte sa voiture à tonton Guillaume et tonton Guillaume lui prête sa voiture. Tonton Guillaume va téléphoner au garage pour les prévenir que Mireille va prendre sa voiture. Il va prévenir le garage. Il faut toujours téléphoner pour prévenir. Regardez. Je vais prévenir pour qu'on envoie quelqu'un ici et qu'on surveille votre maison. Attention, ici, c'est plus grave. C'est la police qu'il a fallu prévenir. Et donc, en fait, votre ami Bailly est mort le 25 juin 1973. Vous savez à quelle heure ? À 8h17. Je le sais, j'y étais. J'ai regardé ma montre à ce moment-là, un réflexe. Et c'est moi qui ai prévenu la police de cet accident stupide. Dans les cas graves, il faut toujours prévenir la police. Si dans une demi-heure, vous n'avez pas de nouvelles de moi, vous prévenez la police. Voyons ce que vous pouvez dire. Écoutez, réfléchissez et parlez. Regardez Robert. Il est en forme ou pas en forme ? Il n'est pas en forme. D'après vous, Provins, c'est plutôt au sud-est de Paris ou au nord-ouest ? Au sud-est. Sur la carte, Provins est au-dessus ou au-dessous de Fontainebleau ? Au-dessus. Vous êtes Mireille. Vous répondez au téléphone. C'est quelqu'un qui veut parler à M. Bello. Qu'est-ce que vous demandez ? Vous dites ? C'est de la part de qui ? Encore une fois. C'est de la part de qui ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le changement de vitesse ou le volant ? Le volant. Et ça, c'est le changement de vitesse ou le frein ? Le changement de vitesse. D'après vous, ça, c'est une autoroute ou une route ? Une autoroute. D'après vous, ces voitures descendent les Champs-Élysées ou elles les remontent ? Elles les remontent.
D'après le garagiste, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de se tromper? Parce qu'il y a des panneaux partout. Qu'est-ce que Robert fait? Il fait demi-tour. Vous avez besoin d'essence ou de super. Qu'est-ce que vous dites? Le plein de super, s'il vous plaît. Mireille veut aller à Provins. Elle n'a pas de voiture. Qu'est-ce qu'elle demande à tonton Guillaume? Elle lui demande de lui prêter une voiture. Vous avez rendez-vous avec Mireille. Vous ne pouvez pas y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prévenir. Bonjour, monsieur Guignol. Je viens de la part de monsieur Dupont. Monsieur Dupont, connais pas. C'est pour louer une voiture. Vous voulez louer une voiture? Oui, monsieur Guignol, je veux louer une voiture. Je suis de vos fonds. Voilà une très belle voiture. Confortable, rapide, toit ouvrant, quatre roues, ça tient très bien la route. En volant, ça se conduit avec le petit doigt, capot, moteur, marche avant, marche arrière, tout quoi. C'est combien? 1000 francs par jour. Bon, je la prends.